1% des jeunes aujourd'hui achètent de la presse papier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la presse en ligne, mais ça reste encore des chiffres très faibles. Reporters sans frontières a porté l'idée d'un pass média sur le mode du pass culture qui permettrait d'avoir des enveloppes disponibles pour des abonnements de la part des plus jeunes. Il faut reconnaître que effectivement la gratuité de l'information telle qu'elle est fondée aujourd'hui sur la reprise de dépêches AFP, par exemple, sur des plateformes, c'est quelque chose de très préoccupant, puisque derrière, il y a quand même des rédactions qui travaillent de façon admirable et qui se voient privées de public parce qu'il y a une sorte de mauvaise habitude, comme il y a une diététique de l'information, en quelque sorte, qui va au détriment des rédactions.